Donc, il y a deux signes qui doivent vous alerter. Donc, le premier signe, la perte de poids. Donc, s'il y a une perte de poids involontaire au cours des derniers mois, vous êtes à risque de dénutrition. On parle de dénutrition s'il y a une perte de poids de 5% en un mois ou de 10% en 6 mois. Par exemple, un patient qui pèse 70 kg et qui perd 3,5 kg en un mois, il sera probablement dénutri. Attention, donc une personne obèse peut être dénutrie. Il est donc important de bien surveiller son poids au moins une à deux fois par semaine dans les mêmes conditions et de tenir si possible un carnet de poids pour surveiller son évolution pondérale. Deuxième signe, la diminution de la prise alimentaire. À domicile, si vous perdez l'appétit, entraînant du coup une diminution d'au moins un tiers de vos apports par rapport à la prise habituelle, vous êtes probablement dénutri. Si vous constatez ces signes de dénutrition, avertissez donc votre médecin traitant, votre oncologue référent, un médecin nutritionniste ou un diététicien clinique ou encore un diététicien libéral via le réseau Oncodiète. C'est un réseau où les diététiciens sont formés à la cancérologie et travaillent en partenariat avec certains hôpitaux.